Alors je joue avec mes amis Stéphane Brun et Marie. Et on a une poule relativement difficile. On a réussi à gagner la première et la deuxième, on a perdu contre mon ancien club de Saint-Tropez, Michel Hadjadjian, Cindy Perrot et Cyril Bellhomme. Donc on attend pour faire la troisième là. Ouais, ça s'est joué à quelques boules près à chaque main. Après, au niveau du score, je crois qu'on a fait 4 ou 5 points. Mais bon, après, voilà, Michel a fait que des carreaux, Cindy pareil, c'était compliqué. Mais bon, voilà, on a tout donné. Ouais, c'est rigolo, c'est un petit clin d'œil. Voilà, à mon ancien club, au président Guillaume Abbe, voilà, c'est vraiment un club super. Et voilà, toujours une bonne entente et on a fait une bonne partie amicale. Bel début de saison pour l'instant, il n'a pas vraiment commencé, puisque moi, j'ai pas pu faire la Coupe de France puisque je suis muté. Donc voilà, après on a fait Martigues, en finale à Martigues, avec Michel Hadjadjian et Jean-Michel Puccinelli. Et puis National 2-7 où ça n'a pas trop marché, on a perdu dans la première journée. Quoi. Mais bon voilà, c'est pas encore lancé. Là on a les championnats qui attaquent début avril et on va rentrer dans le vif du sujet là. Ouais, c'est tout nouveau, on va jouer avec Mika avec qui j'ai eu l'habitude de jouer en équipe de France. Et Myron Bodino, voilà, dans un bon club à Nice, chez moi, c'est un retour aux sources. Et puis voilà, j'espère que ça va bien marcher, il n'y a pas de raison. Ah oui, on se met la barre très haute. De toute façon, quand on est joueur de haut niveau, il faut toujours viser tout en haut. En plus, on a l'équipe pour. Voilà. Après, il faut que ça matche, comme on dit. C'est pas parce qu'il y a des individualités que forcément ça va marcher. Mais voilà, moi j'ai confiance et on va tout faire pour. Ouais, c'est sympa, ça change un peu du quotidien des nationaux ordinaires. Quoi. Voilà, ici, en plus, grâce, c'est des amis aussi. Le président Claude Borsotto met tout en œuvre pour bien réussir son national. Franchement, les terrains sont magnifiques, le cadre magnifique. Et en plus, il y a la météo qui est là. Donc franchement, c'est super.